c'est pas naturellement innocent, préfet des études du complexe scolaire Ushindi Majongo et coordinateur adjoint des écoles Camille Ushindi. Bon, nous avons commencé, messieurs les journalistes, à étudier le 2 septembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre, donc il y a déjà un mois que nous avons commencé à étudier. Le défi, je peux dire qu'il n'y en a pas eu assez, mais quand même, nous avons rencontré que les enfants avaient quelques difficultés liées aux fermetures scolaires, mais quand même qui ont été un peu résolues et aujourd'hui, ça va quand même. Nous, on n'a pas encore commencé à bousculer, mais la finance évolue un peu progressivement. Les parents sont en train de se demander de leur mieux pour certains et d'autres ont encore des difficultés. Vous savez que la situation économique au niveau de la province et au niveau de tout le pays, ça bloque un peu, mais quand même, ceux qui sont en train de payer progressivement, nous voyons qu'il y a une petite évolution. Oui, nous avons quelques déplacés qui se trouvent dans nos écoles, pas seulement au Ushindi, mais aussi dans d'autres écoles de Camille. Mais nous essayons un peu de les gérer psychologiquement. Même certains, ils sont un peu exonérés. Mais quand même, nous les gérons d'une manière responsable. Il faut demander aux autorités, surtout pour ces enfants déplacés que nous encadrons, nous demander qu'ils viennent en assistance, même les supporter un peu sur un peu de coûts, de moyens financiers, parce que au moins c'est à eux que nous pouvons nous adresser. Nous, nous avons fait notre part des choses, c'est à eux aussi de nous venir en aide, au secours à l'autre. Alors, les résultats de l'année passée pour notre école, d'une part, dans certaines sections, c'était très favorable parce que vous avez trouvé, par exemple, un commerçant en nutrition, en électricité et en construction de très bons résultats. Sauf en pédagogie, on avait eu quelques diplômes au lieu de trouver tel qu'on souhaitait. Mais aussi, on ne comprend pas par rapport à l'évolution des résultats de fin d'année, parce que les enseignants font le meilleur d'eux-mêmes. Mais vu que ces derniers temps, on ne sait pas, d'ailleurs, par exemple, en pédagogie, on ne sait pas si le gouvernement a tendance de décourager les pédagogues ou les diplômes ne sont pas sortis tels qu'on souhaitait. Vous vous souviendrez que sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu 1, il y a eu seulement 17% pour la pédagogie de réussite. Alors que les enseignants font le meilleur d'eux-mêmes. Donc, mais par rapport aux résultats d'une manière générale à Ushindi, nous avons quand même été satisfaits parce que nous avons fait sortir plus de 3 max. C'est déjà beaucoup. Seulement nous avons trouvé que les enfants sont venus avec l'âge convenu. Je dirais vraiment, ils sont là, ils ont l'âge convenu de commencer à l'école maternelle puisque c'est nous qui sommes à l'école primaire. Il n'y a pas de défi à ce que nous avons trouvé. Nous voyons que vraiment ils sont là en masse et nous aimerions quand même avoir aussi peut-être une puce. Là, nous n'avons pas des abandons. Assez, mais on peut citer seulement une affaire de 2 cas seulement qui ont déjà abandonné. Nous avons déjà trouvé 2 cas, des élèves qui ont abandonné, en attente de cette de la gratuité, c'est-à-dire des écoles de l'État. Mais jusque-là, vraiment, il n'y a pas des abandonnés, si on peut dire assez. Étudier à Ushindi, c'est préparer un avenir qui est très meilleur, puisque ici à Ushindi Majengo, et surtout la communauté de Camille Ushindi, nous avons une formation de qualité. Et nous aimerions aussi améliorer encore une fois, puisque aujourd'hui, nous avons même inséré quelques programmes pour essayer d'améliorer le futur des enfants, surtout que les pays de la nation, et surtout notre province. Nous avons déjà amélioré, puisque nous avons déjà instauré le programme d'anglais, c'était à l'école primaire. À part le programme d'anglais, nous avons déjà amélioré avec le CERNAFOR des enseignants pour essayer encore de mettre des batteries en marche plutôt pour essayer vraiment de marcher un peu en avant. Et nous avons déjà mis l'informatique à l'école primaire. Là, nous commençons maintenant à chercher un enseignant qui va les encadrer, qui va enseigner encore d'autres de nos enseignants pour qu'eux puissent aussi donner cours d'informatique aux enfants comme amélioration et un enseignement de qualité. Et nominalement, je réponds de Tikoun Zirema Patrick, chef d'établissement du complexe scolaire Camille Biaï. Puis, oui, la rentrée, bien sûr, au départ, c'était une rentrée de thèse.
vu qu'il y avait certaines informations qui se divulguaient en disant qu'il n'y aura pas de rentrée suite à la grève qui était prévue par les écoles publiques et les écoles conventionnées. Heureusement, nous, en tant que des écoles, nous avons toujours essayé de respecter la rentrée scolaire, les programmes ou les calendriers scolaires. Mais aussi, il y avait une difficulté de la part des parents parce que certains parents n'étaient pas bien préparés vu la situation économique traversée par notre province du Nord Kivu, en particulier la ville de Goma, et cela causé par l'insécurité. Cela n'a pas permis aux parents de bien se préparer à la rentrée scolaire. Évidemment, actuellement, nous sommes en train de nous dire que nous avions réussi au moins à 98% parce que les enfants sont là et ils sont présents. Et je vous dirais que notre école, c'est une école moderne, l'école pilote. Et voyez-vous, d'abord avec la construction, les bâtiments qui a été érigé dans ces quartiers, mais aussi la qualité des enseignants que nous avions essayé de sélectionner. Nous avions placé l'homme qu'il faut à sa place. Et actuellement, je dirais que nous avions démarré. Les activités se déroulent convenablement, sans difficulté. Les enseignants se mettent à leur travail, mais aussi les élèves sont assidus. Ils ont commencé à se mettre au travail et se concentrer à la science comme prévu. Chez nous, nous rassurons que les parents qui viendront faire inscrire les enfants ici, et d'ailleurs ceux qui ont fait l'inscription de leurs enfants ici à l'école, ils ont choisi, ils n'ont pas tapé à gauche, mais plutôt ils ont tapé à droite. Parce que c'est une école qui vient répondre favorablement aux préoccupations et aux besoins ressentis de la population de la ville de Goma, en particulier ceux du quartier Bujovu et ses environs. Aujourd'hui, je vous dirais qu'un parent qui pourra envoyer son enfant ici ne va pas regretter, parce que nous n'allons pas nous focaliser seulement dans des théories, mais plutôt nous formons les enfants aussi dans la pratique. Ici chez nous, nous avons par exemple la construction. C'est une section qui est organisée et nous avons beaucoup de chantiers. Les enfants eux-mêmes vont faire la pratique. Et nous voulons c'est que à la fin de l'année, que l'enfant soit en mesure de défendre pratiquement ce qu'il a appris au tableau en tant que théorie, marier la théorie à la pratique. Les cas de la nutrition, nous avons notre restaurant ici avec une cuisine améliorée. Donc, il y a un restaurant bien équipé. Nous avons la cuisine bien équipée en matière de nutrition. Donc, comprenez qu'avec Camille, les enfants vont bien apprendre la pratique et sera marié à la théorie qui est apprise en classe. Il y a la technique sociale, oui. Nous avons des enseignants qualifiés. Nous avons seulement ici chez nous, nous avons recruté seulement des enseignants licenciés ayant une expertise dans la carrière. En pédagogie, oui, évidemment, nous avions aussi recruté des enseignants chevronnés dans le domaine. Donc, envoyer son enfant à Camille Biaï, c'est choisir l'avenir meilleur de l'enfant, parce que nous n'allons pas travailler comme les autres qui se focalisent seulement dans la théorie, mais plutôt nous allons beaucoup plus marier cette théorie enseignée en classe avec la pratique sur le terrain. Merci. Premièrement, quand nous avons constaté qu'il y a la rentrée scolaire, le 10 septembre 2024, nous nous sommes retrouvés avec une rentrée qui était très timide, car il y avait d'abord grève. Nous nous sommes retrouvés avec 12 écoliers à l'école primaire et maternelle. Mais avec la sensibilisation, on a passé porte à porte pour sensibiliser les parents que les calendriers scolaires stipulent que les 2 septembre c'est l'ouverture. Et maintenant, les enfants qui ont commencé à venir petit à petit, et nous avons maintenant un nombre suffisant. Et vraiment, notre souhait, et nous proposons et nous sommes en train de mener des démarches pédagogiques, administratives et autres, pour que l'école soit meilleure parmi les écoles de Camille, et à part les écoles de Camille, que ce soit une école meilleure dans le quartier Bujovu. Ainsi que à Goma, c'est une école qui sera meilleure avec les enseignants qualifiés et compétents que nous avons,
le directeur, et aussi ne pouvons pas manquer à dire à propos de notre directeur général, ainsi que le cordon national qui est très compétent, qui est en train de nous former comment gérer une école. Avec ça, nous avons un espoir que ça sera parmi les écoles de Goma qui va épater les parents. Moi, je me nomme Tamboki Tengue Stanislas, le préfet du complexe scolaire Camille Kié. Monsieur le préfet. Merci pour la question qui est vraiment préoccupante. Nous avons lancé les activités, c'était à partir du 2 septembre. Jusqu'à maintenant, on est le 2 octobre, ça fait pratiquement un mois depuis que les activités scolaires ont commencé. Les réussites, les échecs, les limites ne manquent pas. Les limites, surtout liées à notre contrée, c'est d'abord nous sommes dans un milieu où il y a l'insécurité, telle que tout le monde le sait. Alors cela a fait à ce que les parents, beaucoup de parents qui nous entourent sont déplacés. Ils n'ont pas des moyens suffisamment pour scolariser leurs enfants. Alors, quand nous avons commencé par la sensibilisation, certains ont accepté de nous amener leurs enfants avec qui nous sommes en train d'étudier ici. D'autres ont hésité compte tenu des moyens financiers qui font défaut. Alors, nous avons essayé de continuer toujours durant les premiers mois à sensibiliser les parents en y impliquant même certains chefs locaux qui nous ont aussi aidés dans ce service-là. Et voilà, nous démarrons. Et étant donné que nous sommes une école en progression, certaines limites ne manquent pas de difficultés d'ordre technique par rapport à l'équipement que nous sommes en train de mettre en place progressivement. Et nous osons croire que la suite sera bonne. Tout à fait, parce que nous, les institutions Camille et Ushindi, parce que nous sommes dans un même collectif, nous prenons la discipline et la formation. Voilà nos deux chevaux de bataille. Donc, nous invitons tous les parents à faire les choix du complexe scolaire Camille, surtout qui est dans cette partie de Nyiragongo. Parce que quand on parle de Kieru, bon, c'est l'appellation de l'école. Mais l'école se trouve à cheval de deux villages, des deux groupements de Nyiragongo. Il s'agit du groupement Munib avec le village Kieru. Il y a aussi le groupement Bouvira avec le village Bouchouaga. Donc notre école se trouve à cheval de ces deux villages-là. Nous invitons tous les parents des groupements Munigi et Bouvira et des villages environnants, ainsi que même, parce que nous avons aussi des élèves qui viennent de Goma, qui sont parmi nous, qui étudient ici, et dont les parents ont vu quelque chose que nous pouvons donner à leurs enfants en termes de la discipline et de la formation. Vraiment, c'est ça notre cheval de bataille tel que je l'ai dit tantôt.